Le dépistage, ma routine santé, c'est le slogan qui va accompagner la campagne d'Octobre Rose de cette année. Nous avons implémenté la promotion de la santé, axée sur les cancers féminins, les préventions primaires, secondaires, tertiaires et les soins palliatifs. Le diagnostic et la prise en charge des cas suspects nécessitent de tous une plus grande attention, qui se veut une approche transversale, afin d'atteindre l'objectif que s'est fixé notre pays, à savoir réduire la mortalité liée au cancer du sein et éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030. La cérémonie a également permis au ministère de la Santé de dresser les perspectives de lutte contre les cancers féminins dans le pays. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de prévention et de contrôle des cancers, compte transiter vers ce programme de dépistage organisé en intégrant des méthodes innovantes de biologie moléculaire et de l'immunohistochimie, tout en insistant sur le diagnostic ainsi que la prise en charge des cancers suspects dans les délais acceptables. Le Centre hospitalier universitaire de Libreville réaffirme son engagement à soutenir la cause du ruban rose au Gabon. Nous nous engageons tous à lutter contre cette maladie grave qui endeuille encore plusieurs familles. Formation sanitaire qui reste sans conteste la première institution hospitalière de notre pays et qui héberge en son sein le centre de référence pour le dépistage et le diagnostic des cancers du sein et du col de l'utérus. À l'occasion, la première dame du Gabon a remis aux directeurs régionaux des structures hospitalières des kits chirurgicaux pour le dépistage des cancers de proximité. S'en est suivie la visite des stands aux couleurs du Mont Rose.